Macron et son gouvernement sont complètement perchés. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, va faire la une de Playboy. Elle va faire une interview et elle posera quasiment à moitié à poil. Elle nous parlera de liberté des femmes et aussi de féminisme. Tout ça en petite tenue. Femme objet, quoi. Après Macron, qui n'a pas le temps de recevoir en temps de crise les syndicats sur la réforme des retraites, mais qui prend quand même son temps pour faire une interview pour PIF, Marlène Schiappa va donc poser de façon sexy et enroulée dans un drapeau français. A priori pour parler de féminisme, je vois pas trop l'intérêt. Toujours pareil, hein, on se plaint que les hommes regardent les femmes comme des objets, mais qu'est-ce qu'on fait dans les magazines? Mais on se met à moitié à poil. Avec Macron et son gouvernement, décidément, les fonctions de président et de ministre sont complètement décrédibilisées. Finalement, rien de surprenant pour Marlène Schiappa qui a déjà écrit plusieurs livres érotiques.